d'honneur militaire qui ont été rendus par un détachement d'honneur constitué de la musique de la gendarmerie mobile, l'étendard et un peloton du 501e régiment de chars de combat de Mourmelon, une section de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et un détachement de gardiens de la paix de la préfecture de Paris. De Paris. Le comité parisien de la libération s'installe à l'hôtel de ville. Nous sommes maintenant le 24 août au petit matin. La tension est extrême. Les heures qui suivent sont décisives. La ville est irréelle. Paul Tanguy, le chef des FFI d'Île de France, qui a lancé l'ordre d'insurrection, se trouve à son PC de Denfert Rochereau. L'hôtel de ville, la préfecture de police et la plupart des édifices publics sont aux mains de la résistance. À la même heure, Leclerc lance ses troupes sur Paris. En deux colonnes, la deuxième délégation progresse vers Paris. À l'ouest, le groupement Langlade. Au sud, le groupement Thieu et le groupement Bigot, qui rencontrent une forte opposition de l'ennemi. La progression est difficile pour les hommes de Leclerc. À Paris, l'attente est longue. Dans l'après-midi, Leclerc fait lancer par avion un message aux résistants. Tenez-vous, nous arrivons. En fin de journée, à la croix de Berny, Leclerc donne l'ordre à Drône de foncer vers Paris. À 20h, avec trois chars du 501e régiment de chars de combat, un détachement du génie et la 9e compagnie du régiment de marche du Tchad, la Boeve, Drône fonce sur Paris. 21h22, Drône arrive place de l'hôtel de ville et quelques minutes plus tard, toutes les cloches de la capitale se mettent à sonner. Le 25 août au matin, par les portes de Corleone, de Chantilly et de Saint-Denis, la 2e DB entre dans Paris. La 4e division d'infanterie américaine qui l'appuie arrive par la porte d'Italie. Résistants et soldats se retrouvent, c'est pour eux. Les combats se découvrent dans tout Paris, jusqu'à la rémission du commandant du Grand Paris, Van Jenkins. C'est la signature de l'acte de reddition, co-signé par Leclerc et Roll Tanguy. Puis c'est l'envoi des émissaires chargés de faire cesser les combats dans la capitale. À 17h, Leclerc et Roll accueillent le général de Gaulle à la gare Montparnasse. En fin de journée, ce dernier est à l'hôtel de ville. Les Parisiens doivent aussi cette liberté retrouvée aux soldats américains de la 4e division d'infanterie qui ont appuyé la 2e brigade de Leclerc. Puis c'est le 26 août. À la vue de ces centaines de milliers de Parisiens en liesse, De Gaulle dira, c'est la merde.